Anne ? Qui es-tu, ma fille ? Est-ce que je peux t'aider ? Anne ? Maman, Pankti ! C'était Pankti ! Pankti. Quoi? Anne a parlé? Oui, Dieu merci. Pas à Dieu, non. Mais à la Saint-Valentin. C'est grâce à l'amour que nous la célébrons. Et c'est grâce à elle qu'Anne s'est rétablie. Voyons, Richard, ce n'est que le début. Avant que la fête ne s'achève, Anne prendra sa guitare et il chantera. Toua chiki, toua chiki. Mon frère, regarde un peu par ici. Moi, Madame Anita. Waouh! Vous êtes très belle ce soir. Comment pourrait-on être insensible à votre charme? Arrêtez donc vos flatteries, s'il vous plaît. Si je ne retrouve pas mes filles tout de suite, alors vous aurez affaire à moi. Dites-moi où elles sont. Ah bon? Eh bien, vous allez fermer boutique. Si vous faites un petit effort, vous pouvez même vous-même gagner de l'argent. Par exemple, en chantant ou en dansant. Vous pourriez gagner décemment votre vie. Vous êtes exceptionnel quand il s'agit de perdre. Bravo! Kaïra, toutes les célébrités sont déjà passées sur scène. À présent, à qui le tour? Oui, la plupart de nos artistes sont déjà passés. Maintenant, c'est au tour des No Name, n'est-ce pas? Oui. Ouais! 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 Yeah! Yeah.
Aujourd'hui, à l'occasion de la Saint-Valentin, nous avons beaucoup réfléchi concernant la personne qui fera un discours. Et puis nous nous sommes dit, pourquoi ne pas montrer aux invités ce qu'est l'amour ? L'amour est la source du bonheur et de la tristesse. Beaucoup essaient de s'en débarrasser, mais n'y parviennent pas, car l'amour triomphe toujours. Mesdames et messieurs, nous avons devant nous des couples qui n'ont pas seulement appris à aimer. Mais ils continuent toujours à s'aimer. Ouais ! Waouh, super gâteau ! Il n'est pas ordinaire. Quand on va le couper, tu comprendras. Attendez. Qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial ? Je ne peux rien vous dire, monsieur. Vikram me l'a interdit. Je peux seulement vous dire que ce gâteau est vraiment exceptionnel. Mais... Attendez ! Regarde, frangin. Le gâteau est là. Beaucoup t'ont déjà manifesté leur amour. À présent, les gens devraient savoir à quel point moi aussi j'aime mon frère. C'est vrai que tu as oublié de me faire un cadeau pour la Saint-Valentin, mais tu as au moins prévu quelque chose pour ton frère. Désolée, ma chérie. Anne, viens. Viens couper ton gâteau. Anne, vas-y, va couper ton gâteau. Maman, je vais couper le gâteau plus tard, quand Pankti viendra.
Anne, on en coupera un autre lorsque Pankti sera là. Pour le moment, coupe celui-ci. Allez, frangin, coupe le gâteau. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Anne. Joyeux anniversaire. Ouais, joyeux anniversaire. Bravo. Bravo, Anne. Joyeux anniversaire. Hey, frangin, t'as aimé la surprise? Arrête, elle était de mauvais goût. Mesdames et messieurs, amusez-vous bien. Nous allons couper le gâteau. Pankti! 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 Arrête, Pankti! Je ferai tout correctement! Je ferai tout ce qu'il faut, Pankti! Pankti! Où es-tu, Pankti? Pankti!
पलदों पल की नहीं मेरे हर पल की फिराक है तू किस्मतों से जो मिली नाते बेहिसाब है तू पलदों पल की नहीं मेरे हर पल की फिराक है तू किस्मतों से जो मिली नाते बेहिसाब है तू डूबी तेरी चाहत में मेरी हर आरज़ू बस तू ही हो पास मेरे दिल की है जुस्तजू तेरे लिए तुझसे ही है तुझ में बसी मेरी खुशी तेरे लिए तुझसे ही है तुझ में जिसको मैं पा न सकूं तू वो हसी ख्वाब है मैं होती हूँ रुसवा है पर तू रब से भी ज्यादा पाक है क्या दूंगी मैं प्यार तुझे जब ये लकीर खुद ही मोहताज है तेरे लिए तुझसे ही है तुझ में बसी मेरी खुशी tu vas bien? Où étais-tu allé? Tu étais bien avec moi. Pourquoi, Panty? Tu sais très bien que je ne peux pas vivre sans toi. Je ne suis rien sans toi. Ni moi, ni même ma musique. Panty, quand tu es là, j'ai la force de me battre. Mais quand tu n'es pas là, je ne peux même pas respirer. Malgré tout ça, pourquoi... Pourquoi as-tu pris ma force, ma raison de vivre? Réponds-moi, Panty. Laisse tomber. Je sais déjà ce que tu vas dire, que c'est mon père qui t'a dit de rester loin de moi. Et c'est la raison pour laquelle tu es parti. Dis-moi, Manav, pourquoi est-ce que tu as demandé à Panty de partir? C'est pour la société. Aujourd'hui, alors que notre fils est en danger, où est cette société? Où est-elle pour le sauver? Eh bien, vas-y, dis-le-moi. Personne n'est là. Manav, je milite pour le respect, la joie et même la gloire. Tout est nécessaire. Mais dans la vie, de toutes ces choses, celle qui est la plus importante, c'est l'amour. Alors pourquoi refusons-nous d'accepter une petite chose? Et pourquoi rendre nos vies encore plus compliquées? Madame Aparna, si tu étais à ma place, qu'aurais-tu fait? Personne ne rend la vie compliquée, non.
elle est. Elle est déjà par nature. Je ne m'inquiétais pas pour nous. J'étais inquiet pour Kyra. Pour Risha. Pour ma belle-sœur. Pour notre famille. Quelles que soient les difficultés que la vie nous a imposées, je voulais juste pouvoir protéger les membres de ma famille. Pankti, quand tu as fermement posé cette condition, est-ce que tu as au moins pensé à ce que tu désirais? À ce que je désirais? À ce que je ressentais? Sans toi, j'ai même oublié de vivre. Dis-moi de quoi as-tu peur, Pankti? Tu as peur du nom par lequel les gens t'appellent? Qu'à cause de cela, notre réputation sera gâchée? Qu'à cause de ton passé, notre avenir sera détruit? Oui, Ahan. Rien ne me fait plus peur. Et cette peur est fondée. C'était bête de penser que je pouvais aussi aimer, que je pouvais devenir la raison du bonheur des autres. Mais non, Père m'a rappelé la vérité. Il m'a rappelé que je ne peux qu'être un signe de tristesse pour les autres. Qui acceptera de commencer une nouvelle vie avec moi, Anne? Cette étiquette sur moi va détruire la vie des autres. Une chose vendue, une prostituée, une marchandise. C'est juste ce que je suis en réalité. Peu importe où je vais, la vie me renvoie toujours au même endroit où ma vie a commencé. Maintenant, je n'ai plus à fuir cette vérité. Je veux l'affronter, si c'est ma seule identité. Alors je vais faire avec. À présent, c'est la seule mission de ma vie. Alors nous l'affronterons ensemble. On ira demain à la mairie et on se mariera. Pourva sera ton témoin et Uday sera le mien. Alors tu ne seras plus le bien de qui que ce soit. Tu seras uniquement ma femme. Pankti est venue à la fête et ensuite elle est repartie. Et tu ne l'as même pas su, tu es vraiment un idiot. Monsieur, il y avait du monde à cette fête. Et elle était même aidée par certains, monsieur. J'étais sur le point de l'attraper, mais... Mais quoi?
Mais monsieur... ce Jackie m'a empêché de l'attraper. Jusqu'à présent, je ne comprends pas pourquoi Jackie a fait ça. Je sais pourquoi. Ce JD, une vraie sangsue. Quand les membres de sa famille l'ignorent, il me rappelle à l'ordre. Ah, Monsieur Giant, ça tombe bien, j'attendais justement votre appel. Pankti est venue à cette fête, mais elle nous a encore échappé. À présent... Ce Jackie, c'est toi qui l'as envoyé? Mais... Je veux dire... Tu es devenue folle, Anita Sharma. Comment tu peux oser t'attaquer à Anne? Quand tu ne connais rien, alors tu ne tentes rien, c'est compris? Monsieur Giant... Quoi que j'ai pu faire, je l'ai fait pour vous apaiser. Si tu veux vraiment m'apaiser, alors rappelle ce Jackie. Et à partir d'aujourd'hui, ne fais plus jamais l'erreur de faire quoi que ce soit sans me demander. D'abord l'amante de quelqu'un, puis la femme d'un autre. Mais dans tout ça, où est Pankti? Viens avec moi. Regarde, Anne. Regarde ces idoles brisées. Elles ont été adorées à un moment donné. Aujourd'hui, personne ne les regarde.